C'est tout ce qu'on vous a dit ? Oui. Fadwa, la trentaine, est mère de deux enfants. Depuis le 2 novembre dernier, elle est vendeuse dans cette salle des ventes à Kingersheim. Vêtements, meubles, livres, affaires d'entraide, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba sur 2000 mètres carrés qui abrite un chantier d'insertion. Fadwa était en recherche d'emploi depuis 2 ans. Comme elle, dans la boutique, 30 personnes sont en contrat aidé. Avec la crise maintenant, vraiment c'est pas évident de trouver un boulot. Mais ici, tout de suite, ils ont senti que j'avais vraiment envie de bosser. Ils m'ont tendu la main et je les remercie. On est polyvalent, on fait de la vente, on fait du tri, on conseille des clients aussi. Et pour conclure, à la fin, une vente, quoi. Chômeurs de longue durée, personnes handicapées, jeunes, peu qualifiés, cette salle des ventes propose des contrats aidés à des personnes en marge du marché du travail. 24 heures hebdomadaires payées au SMIC, l'objectif est de suivre et d'orienter ces personnes en difficulté vers un emploi stable, mais pas seulement. Le rôle de ce référent socio-professionnel, c'est bien d'accompagner la personne. Donc déjà dans le cadre d'un accompagnement social, pour régler toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour du logement, de la santé, mobilité, la garde d'enfants, pour des familles isolées, etc. L'objectif, c'est de mettre en place un projet professionnel qui amènera à des formations dans le cadre de son contrat, toujours, c'est prévu, et évidemment de la recherche d'emploi en lien avec son accompagnateur pour l'idéal, évidemment, c'est de sortir d'ici avec un emploi le plus pérenne possible. Chaque semaine, Affaires d'entraide offre une seconde vie à des chaussures, habits ou meubles offerts par des particuliers. Maria est une cliente fidèle. Toutes les semaines, elle vient observer les nouveaux arrivages, mais aussi déposer les affaires dont elle ne se sert plus. Au lieu de jeter, on peut rendre les gens heureux avec ça, ils peuvent se reconstruire, ils peuvent l'acheter pas cher, c'est très très bien. Si je mets pas quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde dans l'armoire? Non, je le donne et puis c'est tout. Chaque année, Affaires d'entraide réalise un chiffre d'affaires de 300 000 euros qui permettent d'entretenir le site. À Kingersheim, c'est aussi les soldes. Dès demain, dans la salle des ventes, débutera une foire aux chaises.